donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo haul mode. Ça fait longtemps que je dois la faire et que je recule et là je me suis dit non bon allez vas-y Laura, faut que tu la fasses. Donc il y a des choses qui sont actuellement en magasin, d'autres qui n'y sont plus, mais je vous montre quand même. Il y a donc du coup du Zara, Etam, et il y a du... je sais plus le nom du magasin, enfin c'est un magasin de chaussures, Chaussexpo, Chaussée A, un truc comme ça, c'est truc comme ça quoi. Parce que je m'étais trouvé des chaussures, enfin vous allez voir, donc je vais vous montrer tout ça. Et j'espère que le bruit ne va pas être trop gênant, qu'on va pas trop l'entendre, parce que du coup on a les gars qui sont revenus pour la toiture, et ils sont en train de taper sur la toiture, donc enfin ils font leur taf quoi. Mais du coup voilà, si ça tape c'est normal. Et on espère aussi que la lumière ne va pas trop bouger. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors par contre, Puppy, te mets pas non plus devant la lumière parce que ça va pas m'aider. Chez Etam, je vais prendre... Bah non, on va faire Etam en dernier. Chez Zara, je me suis trouvé cette petite chemise là. Donc c'est effet satiné. Ah oui, le clic 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 clic, c'est Alan qui joue à la manette. Enfin, là... au jeu vidéo. Donc comme ceci, elle est trop canon, donc bien évidemment elle m'a fait tout de suite penser à Sunny et Sangha avec les taches et tout. Les taches sont un peu violines, donc très sympa. Donc tout est fait satiné comme ça. Par contre, ce que j'avais pas fait attention, c'est que le col est très évasé. Donc en fait, faut mettre quelque chose en dessous. Ou alors avoir une belle poitrine bien développée pour que voilà ça soit joli. Moi elle est pas aussi développée donc du coup voilà. Mais c'est mieux de le mettre quand même avec un petit débardeur. Au niveau de la longueur, bah c'est plutôt classique, c'est cool. Donc ouais, elle est très sympa. Alors le prix, si je me souviens bien, c'était 19,99€. Je l'avais pas trouvé très cher, donc c'est pour ça que je l'avais prise. Mais trop canon, donc je crois que celle-ci est actuellement encore en magasin. Et au niveau des manches, c'est un peu plus resserré. Mais tout effet satiné, c'est vraiment tout doux. Ça fait comme un effet seconde peau, en fait. C'est vraiment hyper agréable. Donc voilà, donc je me suis pris celle-ci chez Zara. Par contre, faire attention, ça reste quand même une matière qui est relativement fragile de base. Puisque l'effet satiné, dès que c'est accroché, c'est moche. Et c'est foutu. Bref, ensuite, on va passer chez Etam. Alors chez Etam, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc je vais commencer entre guillemets avec les plus anciens qui sont actuellement en solde. Alors peut-être plus en magasin mais sur le site. Alors quand vous aurez cette vidéo, les soldes seront finis, mais il y aura peut-être des derniers prix ou autres sur le site Etam. Donc n'hésitez pas à aller voir quand même au cas où. Donc c'est cette petite chemise là, vous m'avez vu pas mal de fois en vidéo avec. Elle est toute transparente mais elle est trop canon. Donc ça pour la demi-saison avec un petit top en dessous, où moi je l'ai pas mal mis cet été. Pareil avec juste un bandeau en dentelle, c'est super sympa. Donc il est trop canon et j'aime trop les couleurs. Voilà. Ensuite j'ai également pris celui-ci qui est vraiment trop beau. Donc toujours dans le même esprit, transparent. Et en fait, là, vous avez des petites ouvertures. Ça fait trop canon, vraiment, quand vous le mettez sur la peau. J'aime beaucoup, beaucoup trop. Et là, par contre, la fermeture est derrière et non devant comme l'autre. Donc voilà, trop canon. Donc ça, je sais qu'il est encore dispo sur le site actuellement. Mais comme je vous dis, après, c'est pas moi qui fais le site. Hein. Et puis, bah, ce qui reste aussi en marchandise. Ensuite je me suis pris celle-ci. Alors pareil, celle-ci ça fait un petit moment, j'ai pu la prendre après l'été à la rentrée. Elle était trop canon. Donc il y a eu une robe aussi longue et courte qui ont existé. Pareil, c'est un effet satiné. Donc par contre celle-ci se froisse assez facilement, parce que moi je bouge beaucoup au magasin. Mais hyper confortable. Par contre voilà, elle est assez courte, mais j'aime beaucoup. Et fermée, il n'y a aucun souci. Et là le décolleté est un peu plus long, donc c'est cool. Parce que moi j'aime pas quand c'est trop décolleté. Mais voilà, sachant qu'elle se porte un peu loose dû au fait que les manches soient assez basses. Vous voyez, elles sont pas en basique, elles sont vraiment assez larges. Donc trop cool. Mais l'imprimé est trop canon. Alors, on va l'imprimer comme ça, moi j'adore. Ensuite, alors là on va partir sur du rose. Alors déjà on a eu un imprimé que j'ai adoré. Et que j'adore, hein. Il est encore dispo en magasin, mais c'est des produits qui sont très vite partis. Donc je me suis pris cette petite jupette là, donc avec un imprimé comme ceci qui est trop beau, esprit floral, trop agréable. Donc pour maintenant avec un collant
ou au printemps ou autre, ou même cet été pour ceux qui assument de ne pas mettre de collant, ce qui n'est pas mon cas, avec un petit 15 deniers, il n'y a aucun problème, ou un collant en couleur chair, trop beau. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup trop. Très confortable parce que vous avez quand même un très très grand élastique ici, donc le prenez pas trop grand parce que du coup concrètement après ça se détend, c'est pas joli. Moi je suis partie sur un XS alors qu'à la base je fais plutôt un 38, donc vous imaginez bien que c'est rare quand je rentre dans du XS, mais vu qu'on est sur une forme assez on n'est pas sur une forme droite et on a un élastique, donc vraiment je suis très bien dedans. Elle est semi-haute, donc hyper confortable. Regarde là l'autre qui est en train, et voilà, papa fait les petits yeux du Pink Kings. Donc celle-ci, ensuite j'ai Alan qui m'a offert la robe du coup qui va avec, trop belle. Alors attendez, je vais la fermer du coup, ce sera mieux. Voilà, donc elle est avec un col comme ceci. Vous avez les petits boutons et en fait vous avez, c'est à vous de faire le nœud au niveau de la jupe. Trop canon, donc j'aime beaucoup trop. Donc je ne l'ai pas encore portée mais ça ne saurait tarder, mais elle est trop trop belle, j'aime trop. Donc elle est double, 1, 2, 3, elle est doublée, hein, donc il n'y a aucun souci. Non mais ça va, la vie est belle, Pepi. Aucun souci, qu'on voit quoi que ce soit en effet de transparence, il n'y a aucun risque. Donc ça c'est vraiment trop cool. En restant dans du rose, pareil, donc c'est un sac. Bon, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Donc j'en étais au sac en cuir, donc qui est comme ceci. Alors c'est vrai qu'avec les ombres qu'il y a au niveau de la fenêtre, c'est un peu relou, mais il est vraiment trop beau. Vous voyez, parce que là il fait très foncé, là très clair, mais en fait c'est juste non. Je vais essayer de vous le montrer autrement. Voilà. Il est trop canon. Donc là sur devant vous avez une petite poche. Je vais remettre l'appareil photo correctement. À l'intérieur, vous avez une grande poche et une petite poche. Et bien sûr, vous avez pour le porter et tout, il est trop canon. Donc j'aime beaucoup beaucoup trop. Faut juste que je l'imperméabilise parce que je l'ai pas encore fait, donc j'ai pas envie qu'il soit abîmé vu que c'est du cuir. Bah éviter les conneries hein, concrètement. Mais il est trop beau, il existe en noir et kaki aussi. Mais moi j'adore le rose, donc ça change et il est trop trop canon. Donc on a un effet, vous voyez, un peu je sais pas comment l'expliquer, enfin je pense que ça se voit sur la vidéo. Mais il est trop canon. Voilà, donc trop beau. Arrête toi le pinking, c'est pas pour papi, moi si, maman, non. Et pour finir chez Etam, je me suis pris ce pull là, donc tout rose, il est trop canon, avec sur les épaules en fait le petit revers qui revient, donc vraiment trop beau. Et donc les manches sont assez larges, un effet un peu ballon si vous voulez. Et là vous soit vous les laissez comme ça, soit vous les repliez, moi je les replie. Et vraiment, il est trop canon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez quand il est présenté comme ceci. Vraiment trop canon. Et ça, vous pouvez le mettre. Donc moi, ça, je l'ai pris pour aller avec ma petite jupe. Et je peux le mettre aussi sur la robe, par exemple, si j'ai froid. Donc il n'y a aucun souci. Le combo des deux, vous voyez, si par exemple, je vais essayer de vous montrer. On va faire comme ça. Voilà, le combo des deux. Là, vous mettez, vous voyez, il arrive pile au niveau d'ici. Donc c'est parfait, et puis vous faites ressortir le petit col, enfin franchement aucun problème, et les deux ensemble c'est vraiment le combo parfait. Tu arrêtes s'il te plaît, tu me fatigues, arrête j'ai dit. Le Pinkings, donc voilà pour tout ce qui est vêtements et accessoires, et je voulais vous montrer aussi la paire du coup de chaussures que je me suis trouvée. Alors c'est plutôt Alan qui m'a trouvé, ça fait oh meilleur. Ça fait un petit moment que j'en voulais comme ça, donc la marque c'est Little Lolita, parce que du coup il m'a trouvé ça dans les enfants. Et j'en avais vu quand j'étais partie à Rouen, la formatrice en avait dans le même esprit. Et je me suis toujours dit j'en veux des comme ça, mais de cette couleur là. Donc voilà, je suis trop contente, je me suis trouvé des petites bottines, donc plutôt écrues. Elles sont trop canons, donc vraiment j'aime trop avec l'effet ici. Là la fermeture, donc vous glissez votre pied dedans, c'est hyper confortable. Elles sont trop trop belles, donc trop contente de qu'Alan m'ait trouvé vraiment cela, parce qu'on en a cherché pas mal. Et moi j'en avais vu certaines et ça me plaisait pas. Et du coup Alan m'a trouvé celle-ci, m'a dit tiens essaye, est-ce que t'aimes bien. J'ai dit ouais carrément. Donc voilà. Donc voilà pour ce haul mode, j'espère que ça vous a plu, j'en fais rarement, mais si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après c'est soit j'achète beaucoup d'un coup, soit j'achète échelonné,
Donc si j'ai qu'une ou deux pièces à vous montrer, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, dites-moi quand même en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très vite, ciao!